Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Oh, intéressant. De Starbound 1.0. Ça y est, le jeu est sorti, donc on est dans le troisième épisode si je ne me trompe pas. Normalement non, je ne me trompe pas. Nous avons donc fait un retour, nous sommes équipés maintenant. Il nous faudrait encore, cela dit, quelques petites choses, par exemple... Pourquoi pas un bouclier et une petite épée, ça pourrait être intéressant. Ou tout simplement une grosse épée. Et pour cela, il va falloir encore plus de fer, de cordes et des tas de bonnes choses. Bon, maintenant qu'on est relativement bien équipé, vous pouvez voir qu'on a même un petit peu, non, je sais pas si j'en ai gardé, oui voilà, on a gardé un petit peu de bouffe sur nous. On peut donc survivre un peu plus longtemps sur la planète en question. On va donc descendre en orbite sur la planète et ensuite redescendre. Après avoir récupéré un petit peu de bois, je vérifie quand même vite fait si je peux pas arroser tout ça. Hop. On récupère donc un petit peu de wheat. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est plus espacé que ce que je souhaitais, pardon. On va récupérer un petit peu de bois, cela dit, donc, pour pouvoir se refaire des torches. On peut voir qu'on n'est plus qu'à 4 torches, autrement dit, niveau exploration, on est un peu faible. Hop, ça a été long de couper cet arbre, dis donc. Vivement qu'on ait de quoi se faire une hache. D'ailleurs, c'est une chose que je n'ai pas encore vue. Je vais remonter vite fait, juste après, pour aller voir si c'est normal ou pas. Allez. Bien sûr, comme d'habitude, redites-moi si le son vous semble correct ou non. Là, à l'heure actuelle... Nous sommes en train d'uploader le premier épisode pour la première journée. Hein, donc je vais essayer de l'avoir pour le lundi. Donc oui, nous sommes encore lundi par conséquent. Alors. Et B. Heureusement qu'on n'a pas toute une forêt à refaire, on serait pas dans le caca. Et c'est bon. Ouah, on l'a esquivé de feu. Parfait. Le fait est qu'on l'a tout de même esquivé. Donc c'est pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire. Ok. Hop. Faisons de cet endroit une forêt prospère. Hop, nous avons donc récupéré normalement suffisamment. Alors j'espère ne pas avoir envoyé trop de... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. De toute façon, je devais remonter justement. On n'a pas vu de hache et ça m'intrigue. En début de partie, que nous n'ayons pas de hache à construire. Effectivement, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas et là non plus. Peut-être ici. Non, non. Là, c'est bien une hache qui fait des dégâts et pas une hache qui sert normalement. À faire des choses. Ici, pareil, on n'a rien qui ne soit véritablement utile pour couper du bois. Mini fridge, d'accord, génial. Il est sympa. Ah, j'avais pas vu le gros bouton upgrade au-dessus. Intéressant. Intéressant. Génial. Génial, génial. Bon, bon bah écoutez, tant pis. On n'a rien vu de tout ça, je vais simplement récupérer le charbon. Pour me faire, on va dire, 20 torches, ce qui me fait 80 torches au total. Non, même pas, ça m'en fera beaucoup plus. Non, c'est ça, 80 torches. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, admettons-le. Ok, on est bon. On redescend. Et normalement, équipés comme nous le sommes, nous ne devrions pas trop mourir maintenant qu'on a une armure décente. Ok, on y va. Pipiripiri, pipiripiri. Oh, salaud! Je prends déjà le premier coup. C'est un peu embêtant, hein, je l'admets. Hop. 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 Bonjour. Vile créature. Ah non, pas c'est ça. Non! Pourquoi? Ah, que j'aime vous voir en carcasse. T'as du bol. T'as du bol.
Ouais, mais j'y pense maintenant. Hop, on a aussi un arc. Ce qui fait qu'on peut attaquer à distance. Oh, ce petit lag. Ce lag shot. Ok. Il arrive. Hop, parfait, on l'a eu. Ici, c'est vrai que j'ai pas pensé à refaire des... Je vais en refaire quelques-unes. Hop. Ah, il me faudra des plantes fibers. J'avais oublié. Je vois un petit bout de fer ici au-dessus. Je vais le prendre aussi. Hop, j'aurais où il y a encore des gouttes de sang qui tombent. À droite, à gauche. J'espère avoir rêvé. Sinon, c'est complètement glauque. Ok, parfait. Maintenant, nous avons de quoi nous en faire. Je vais en faire peut-être quelques-unes. Hop, voilà. Ok. Et je vais les placer, je pense, à la place du water... Enfin... Question. Il y avait un bout... Voilà, c'est ça, c'était ce bouton-là. Parfait. Parfait, parfait. Exactement ce que je voulais éviter. Admettons-le, c'est pas bon. Ce que j'ai fait là n'était pas bon. Tu veux bien me... Voilà. Ok, ça devrait être bon de ce côté-là maintenant. Ici, ok. Je vais éclairer au bout parce que... Ok. Alors moi qui espérais... Ah voilà, moi qui espérais descendre un peu. Je vais dire justement, ça va être un peu plus compliqué si ça ne descend pas. Par principe, hein. Hop, ici. Ah, il t'évite de me donner des baffes. Parce que oui, ça me donne des baffes, hein, cette saloperie. Il y en a plein en plus. Ah, mais elle me donne des... Bifles, plus que des baffes en plus. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Pauvre monstre planqué, ici rien, ici ça remonte, donc ce qui remonte ne m'intéresse pas forcément, je l'admets volontiers. Est-ce que oui c'est pas le bon clic, je suis stupide. Ok, bon. On continue la descente alors. Comment ça fait beaucoup de monstres cela dit là. Agressif ce monstre. Hello. Ouf. Hop, tu es mort. Ok, on avait fait de récupérer de la santé au dernier moment. Niveau bouffe. Bouffer un petit peu de popcorn, ça va me faire du bien. Ok, faut falloir qu'on creuse. De préférence dans la terre. Ça ne changera rien. Ou alors je fais... je pense que je vais faire comme ça. Je peux toujours pas récupérer d'eau, nous sommes d'accord. Non. Nous sommes d'accord. Je referai de quoi monter au moment où je monterai justement en haut.
contre, je vais quand même me permettre le positionnement de quelques torches. Hop. Alors, ici, je vais refaire un truc de ce genre-là. Et donc, justement, si je veux remonter, il vaudra mieux que j'ai ce qu'il faut. Parfait. Hop. Ça, c'est efficace. Une torche, s'il vous plaît. Ça l'est beaucoup moins, ce que je viens de faire, finalement. Ce qui m'embête. Ok. Alors, niveau... Ok, c'est bon. Ok. Ça, c'est plus ou moins safe. Là, je n'ai plus rien. C'est dire à quel point ça descend vite. Hein. Bon. On a de la chance. Ah, nouveau biome, avec du sable. Extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, parce que ça va être avec ce set, avec ce sable. Ah non, c'est pas du sable. C'est du sable mouillé, pardon. D'accord. En soi, ce n'est pas grave. Avec du sable normal, par contre, nous aurions pu commencer à faire du verre. Ça peut être extrêmement pratique. Oh là là, connerie. Connerie. Comme dirait Neo dans Matrix. Connerie. Ah mais tu vas te calmer toi. J'ai essayé de m'esquiver au tir, vous avez vu. Ça a pas marché. Oh mais merde. Ok. Ok, je vois des champignons en dessous. Cependant, il va me falloir un moyen de remonter. Ok. Inventaire. Ça m'en fait un paquet maintenant. Hop, voilà, petit à petit ça me pousse en fait, vous voyez ? Qui est assez pratique. Ok. Ok. Jusque là, mince. Falloir que je réenregistre certaines touches dans ma tête. Ça serait pas mal. Je vais pas m'attaquer de là. Ah, il me touche pas si je me penche. Intéressant. Extrêmement intéressant. Des os, de la santé, génial. On a un petit peu de chance, semble-t-il. Là, je vois de l'argent. D'autres monstres à poison, hein, en l'occurrence. J'avais oublié qu'il pétait. Celui-ci. Avec ses petites boucles. Aïe! Et puis il pète du poison directement, pas simplement des dégâts poison, mais du poison que j'ai absorbé en tant que debuff. D'accord. Il y a une grosse quantité d'argent. Il y a même de l'or. Il y a même de l'or ici. Oula, ça c'est intéressant. De l'or mêlé à du cuivre et avec un petit peu d'argent pas loin, c'est une zone extrêmement intéressante. Admettons-le. Je suis cependant véritablement vexé que je n'ai pas encore de pickaxe ou de... Alors, est-ce que c'est un parti pris, peut-être? Est-ce que c'est fait intentionnellement, peut-être? Ok, il n'y avait rien. J'ai cru qu'il y avait quelque chose, mais non. Hop. Allez, casse l'argent, merci. Ok, donc il y a un chemin par là.
y a un chemin par là aussi, tu me diras. Avec toujours plus d'or. Hop. Hop, ça c'est fait. Un petit peu plus d'or par là, donc je vais le prendre. L'or c'est toujours sympa. Crac. Du charbon, je viendrai peut-être le récupérer vers la fin. On reverra le moment venu. J'ai tellement les boules de tomber. Parce que le problème c'est que si je tombe, il va falloir que je refasse, ça sera la double peine. Il faudra que je reprenne des commandes... des plateformes qui me coûteront encore une fois une somme astronomique. Alors là j'ai l'impression d'avoir fait de la merde avec mes... Hop. Voilà, c'est ce qui me semblait. On va descendre par là, hein. Apparemment n'était pas une bonne idée. J'ai rien dit, il y a eu un suicide. Il y a eu un suicide. Ok, des monstres que j'adore. Il y a encore du sable en dessous. Un petit peu de fer ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien. Mauvais. Ah mais ce combo. Bouffez mon combo. Ok. Bien joué. Tu étais sublime dans ton rôle. Passer par là. Vais-je réussir à remonter? C'est là la véritable question, chers amis. Ah bah je sais pas, mais il y a du fer par là en tout cas. Cool. Cool, cool, cool. En voilà une bonne nouvelle. Là, va y avoir une épée de fête quand on va remonter, chers amis. Peut-être même l'épée et le bouclier. Ok. Je sais pas pourquoi il y a eu un slash de... Oh, il y a encore du fer en quantité. Génial! Là, là, c'est intéressant. Là, je ne peux pas le nier, c'est génial. C'est tout bonnement génial. Ok. Ok, là, bravo le jeu, tu me fais plaisir. Oh, de la brume en dessous, regardez. Il attend. Hop. Ok, ça c'est fait. On peut se permettre un petit peu d'éclairage. Ok. Ils ont pas l'air d'avoir trop envie de vivre en fait, c'est ça le truc. C'est génial les petits bouts de cadavres qui collent partout. Je suis désolé, mais c'est un détail. Mais c'est vrai qu'on se lâche du monstre depuis bah, plein de versions de jeu. Puis ah mince, ça c'est triste. Hop, voilà. Ah, je vois du de l'or. J'avais vu autre chose de vert. Je trouve ça bizarre. Excusez-moi. J'ai pas tilté que c'était un élément du décor. Pourquoi pas. Je vois du fer en quantité en dessous. Encore une fois. Ce qui est juste génial, hein. Vous le savez. Le fer à 10 sous, c'est pas cher. Pour ceux qui connaissent ce sketch. Ok, là c'est vraiment la joie niveau fer. Hop. Cul de sac avec un petit peu d'or. Ah là, ce n'est pas un cul-de-sac. Hop,
descends. Oula. Hop, c'est bon. Oh, son œil qui se roule. Œil qui roule, namas pas mousse. Vous connaissez tous ces expressions. Ok, ça c'est bon, un petit peu d'argent, je vois encore du fer. Oh. Oui, nous y sommes. J'ai vu un diamant. Je vous jure que j'ai vu un diamant. Oh putain. Premier diamant, épisode 3. Ok. Quelle ambiance. Ok. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ok, bon. Alors maintenant, on va faire attention, ce serait pas mal. Ok. Voilà, ça si c'est pas bien fait, chers amis. Je peux malheureusement pas faire mieux, hein. Ok. Alors, ça c'est ce qui nous intéresse, les core fragments. Apparemment, tu as découvert ces core fragments, ils sont utiles, tu devrais en avoir, tu devrais... J'estime que tu devrais en récupérer une vingtaine. Pourquoi pas? Donc c'est pour alimenter la porte, hein. Reprécise à nouveau, c'est pour alimenter la porte. Il n'y en a pas par là. Par là, il y a juste du danger. Comme je n'ai pas d'eau, c'est juste trop dangereux. Cependant, je dois avoir d'autres choses que de l'eau, tout simplement. En grosse quantité, qu'est-ce que j'ai? Ce pauvre sable? Ah non, j'ai cette terre. De la terre? On a frôlé la mort. Hop. Vive le mateur manipulateur. Le diamant qu'on va récupérer. Peut-être. Un jour. Qui sait. Allez. Allez, voilà, le premier diamant. Ça, c'est fait. Après, il faudra réussir à remonter. Hop. Parfait. Et quand je dis réussir à remonter, ça veut aussi dire qu'il faudra remonter... pardon, à la surface. Ce qui va être aussi catastrophique, hein. Soyons honnêtes, hein. Hop. Hop. Alors, récupérons tout ça. Avant que la fin de l'épisode n'arrive. Hop. Allez. Allez, allez. C'est dur à creuser. Oh nom de Dieu. Alors. Ici. À peu près à la moitié. Alors ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé que ce soit plus simple de trouver le reste. Et là, il me demande carrément d'aller dans une autre pièce, en fait, littéralement. Donc je pense qu'on va juste se déplacer un peu plus haut dans la partie la plus simple pour se déplacer. Ou alors continuer peut-être du côté où on a mis de la terre, justement. Oh, il y a du fer en quantité, ici. Là, il y en avait un petit peu, malheureusement, il va être difficile à atteindre. Comme vous vous en doutez. Hop. Voilà, ça devrait être beaucoup plus simple. Ici. Attendre au moins les 3 sur la gauche, là. Les 4 sur la gauche, pardon. Ça devrait être suffisant, en plus. Avec un peu de chance, ça devrait être suffisant. Voyons voir. Oui. On a vu que ça, la barre de progression... C'est transformé maintenant en tout simplement le boussole pardon d'objectif. Boussole à objectif, vous savez ça comme vous voulez.
Je vais essayer de les avoir de loin. Ok, j'ai pas le droit. Ok, c'est bon, c'est mieux comme ça, remarque. Ok, on l'a eu. On a eu un Venom Sample. J'aimerais juste... Oh mais non mais... Comment qu'il est excité pour un escargot? Venom Sample, d'accord, ok, c'est les mêmes choses. Ah, je savais que j'allais avoir un... une difficulté ici, bizarrement. Je m'en doutais. Venez tous me voir. Ah, je suis pas dans le bon côté. Hop, parfait. Ok, on l'a eu. On peut remonter. On a le droit de remonter, finalement. Par contre, tu as été complètement stupide. Hop, merci de bien vouloir mourir. Oh, ce crachat qui n'est pas censé exister. Tu as craché sur ma dignité, sale bête. Hop. Allez, remontons. Nous avons de l'équipement à revoir. Et potentiellement du coton à récupérer et à farmer. Et quand je veux dire farmer, j'entends replanter en fait derrière. Si on arrive à tomber sur une seed au moment où on va tirer le truc, ce serait vraiment génial. Puisqu'il y a une armure. Par contre, on a toujours pas vu de tungstène, le fameux tungstène. Hein. Je pourrais pas du tout vous dire où est-ce que ça se trouve. Oh. Ce petit coup, ce petit dash supplémentaire. De la saloperie. C'est même pas par là. Hop. Je suis tellement stylé avec cette cape en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Hop. Viens voir papa. Voilà, t'es mort. Non. Retenez-vous. Retenez... Putain, ils me suivent depuis longtemps en plus. Ah, pendant longtemps, pardon. C'est plus du français. Oh, je l'ai loupé. J'ai loupé ce... Ah bah oui, mais si je le mets pas dans le bon sens. Ah, je commence à voir la dalle. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce petit bruit? Mais, j'ai la dalle. Ah, will probably go bad soon, d'accord. Et donc les tomates, j'imagine que c'est pas bon non plus. Si, c'est bon. Ok, bah on y va pour les tomates. Ah, mais... Ce petit lac de la punition... Ah, mais... Oui. Voilà. Hop. Téléportation. Parfait. Faudra qu'on aille chasser aussi au passage. Et maintenant, du coup, j'aurai pouvoir me re-téléporter au sol. Oh, MMM grade. Matin manipulateur upgrade. J'ai pas vu tous les menus. C'est vrai que j'étais à moitié con. Oh, mais j'en ai pas. Aïe. Faut attaquer par un pigeon, là, autre chose. Oh. Comment ce pigeon met... Oh. Meurs, pigeon. Hop. Alors, j'en vois. Je peux les récupérer, mais je n'ai pas eu... Ah, malheur, au désespoir, je n'ai pas eu l'acide. Si ? Cotton fibre. Non, c'est juste la fibre. C'est pas l'acide, pas du tout. Ici, j'ai eu deux graines de patate. Ça, c'est juste bonheur. Ce qui veut dire que je vais devoir récupérer l'acide ici, cotton seed. Parce que je vois que ça n'a pas du tout repoussé, en fait, sur les trucs extérieurs. Malgré le temps. Malgré le temps. Hop, ah, vas-y, pousse. Parce qu'il va vraiment falloir du cotton seed. Hein.
What? Il me faudrait de la bouffe aussi, de la viande, de la vraie. Est-ce qu'il y a moyen? Non. Bon, on va remonter, on va se faire une épée parce que... Ça sent le boss. Honnêtement, je trouve que ça sent le danger. Mais ça les a pas toutes faites, je présume. C'est-à-dire qu'on a déjà un diamant, quoi. Oh. Allez. Oh là là. Hop. Parfait. Dire qu'on a déjà un diamant. Ici, on pourra jamais les faire pour le moment. Cotton wool 1, j'en ai qu'une, effectivement. C'est à moitié con. Tungsten bar, de toute façon, on les a pas. Donc c'est bien de commencer le tungsten, mais bon. Ok, ça c'est bon. Non, c'est dans l'armement que je voulais voir, moi, du coup. Il faudra des ropes. Je pense que je vais prendre deux petites choses. Je vais prendre ça, ça, trois choses, donc. Il va donc me falloir des ropes. Voyons voir ce qu'on peut crafter déjà avec ça. Ah, il va me falloir aussi du string. Là, je peux crafter la grande. Il va suffire à crafter la petite, non? Ouais, voilà. Là, il faut pas de ropes. Non, il faut juste 4 strings. J'espère que vous avez tous vos strings, chers amis. Si jamais on a un event, si jamais je vais à un event IRL, je veux que vous me ramiez vos strings. Voilà, c'est dit, l'appel est lancé, maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous le faites, je réponds pas de mes actes. Ça pourrait mal se finir. La broadsword. Oui. Oui, ici. Hop. Parce que non, en fait. Parce que non. Parce que non, parce que non, parce que non. Voilà. Ici. Et enfin, ceci, ici. Ok, ça c'est bon. Sur le X. J'aimerais justement avoir au cas où ce watering can, parce que voilà, ça peut être pratique. Donc. Sympa. Combo x2, shield, d'accord. Vous pouvez voir qu'il y a un espèce de truc bleu, donc j'imagine qu'il y a une frame où le bouclier est une véritable parade parfaite, d'accord. Ok, donc tout ça maintenant on va ranger un maximum de choses. Ça serait peut-être pas mal, tous les trucs utiles en tout cas ça serait bien de les ranger. Donc ça je peux le reprendre. L'or je peux le laisser. Ça je peux le récupérer. Ça je peux le déposer. Ça aussi. D'accord. Et là je pense qu'on est pas trop mal. Il va vraiment falloir qu'on voit le vaisseau. Parce que bon déjà dans l'état dans lequel il est, c'est pas top. Il va falloir beaucoup plus de commandes de stockage. Mais bon. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne et dans le descriptif de l'épisode, mais on va vers, tout simplement, et dans le descriptif de l'épisode, pas vers mon partenaire, c'est débile. Encore une fois, un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, parce que c'est quand même l'arrivée, entre guillemets, du jeu en sa sortie 1.0, alors que ma première vidéo était sur une version de Starbound, donc en bêta. Donc voilà, merci à chacun d'entre vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!